TVLACAIHAITI.COM, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons avec vous. Jeudi, c'est commencement semaine et c'est lundi. Et 7 novembre 2022, c'est 11e mois dans l'année. Et nous avons avancé pour la fin. Alors, donc, nous avons continué à informer jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ne connaissions pas encore. TVLACAI a porté toute nouvelle pour vous, sans stress, sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Alors, il faut que nous disions que Esaü César, nous connaissons qui dit même. Inculpé dans le dossier Lamo et Jean-Baptiste Lala, et je dis à monsieur sorti dans silence li après plusieurs jours. Nous ouais, et donc émission mat et débat censément et donc il perdit et ligne dans sens l'aime dit perdit ligne qui donc et Louko pas là et Josué Lexidor pas là, Lexidor disons Esaü César pas là, qui donc tout nèg ça c'est des nèg qui au même vraiment et donc dans un moment. Et tête chargée là parce que Esaü César, monsieur non couru avec la justice pour dossier assassinat Eric Jean-Baptiste, Louko Desitou, tout nèg sa yo nan problème. Et je dis à Esaü César qui lui-même cité non yon nan gros bourgeois et non ta cité donc nan assassinat ça. Et selon Esaü, monsieur te parlé avec bourgeois ça juste avant même assassinat Eric Jean-Baptiste là, et bourgeois ça non cité dans dossier assassinat ça. Alors bagayou et commencer à parler là et même Pierre Mateta tout sauté, monsieur saisi les Esaü César dit parler avec un bourgeois qui aussi cité non dans la mort Eric Jean-Baptiste. En tout cas, comme Esaü dit, c'est Tijan et c'est loi qui t'a fait déclaration qui donc Esaü César pas gain rien à ouais avec déclaration ça, donc c'est loi Tijan pour nèg yo ta convoqué dans DCPJ. En tout cas, eh bien Esaü César qui lui même sorti dans silence, j'en nous dit là, je dis là et nous pas faut entendre déclaration monsieur ça qui lui même. Et donc il s'est monté nèg yo pas ka faire maon, nèg yo pas ka faire quitter émission matin débat à moins que et PDG radio t'a décidé dit Tijan ou bien Esaü César pas mettre pied dans radio ça encore, étant donné que émission matin débat sont émission payée selon sa spot yo toujours dit qui donc il pas rien en pour avec radio qui donc et c'est une émission payée, tout ça qu'a dit là-dedans par engager radio ça qui c'est radio télé éclair. Et nous pas faire entendre Esaü César qui lui même t'a bail plus détail sous ça yo reproché dans question assassinat Eric Jean-Baptiste père éternel l'auto. En tout cas, bonne écoute tout le monde, n'a tourner pour une prochaine vidéo. Bonjour, bien matin à tous. Allô, bien matin à tous. Bonjour Esaü. Et bonjour à José Lexidor, bonjour à et toutes amis nous, et auditeurs et auditrices de Radio Télé Éclair. Exactement, et comme on connaît, et nous téléphons en dehors, et na, en dehors du pays, hein. Nous débarquons depuis samedi qui se passait là. Nous retournons, et après tout ce qui se passait, nous retournons en le pays. Il y a des monde qui ont commenté sur base que, et est-ce que ça, c'est ça, lui crée désir. Ça a lagué dans ma ronde et tel n'a pas été le cas et pas rien au monde qui est capable de faire nous-mêmes, nous autres, au niveau de et petit pays, Honda, Krasirak, Krasirak, sous base quelconque, sous une quelconque et invitation de et la justice ou bien de la police nationale. Et à rappeler que Esaü César qui a parlé là, lui fait partie de troisième promotion de la police nationale. Et moi, c'est un consultant, il y a plus de 20 ans depuis, moi, consultant dans la police nationale. Donc, ça veut dire que moi, et c'est un monde qui a servi le pays. Donc, je ne vais pas gagner pour moi, aller et quitter le pays. Tant qu'on a pris le monde, fait comprendre que, on s'y va quand ça le fait, il y a un monde qui dit, est-ce que ça a tout marron, sous base que DCBJ t'a invité nous. Mm-hmm. Vous n'avez pas une question. Sur quelconque dossier qui t'a gagné ah ouais, avec les révélations de Tijan, qui c'est personnage ça, qui dansait dans la tête choual Esaü César. Donc, nous ne pouvons pas rester sur ça, mais quand même, nous devons faire un petit point ça, dans la mesure où il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas exactement de quoi s'agit-il. Et qui s'adossier à y est,
qui ça m'a des débats à faire comme travail, mais un fait est clair, c'est que et depuis samedi, moi entré dans vol de moi entré dans vol et moi atterri dans l'aéroport international là. Moi là, moi disponible et disposé comme je l'ai fait, comme je l'ai toujours fait et avant mon départ, j'ai dû parler avec des gens de haut niveau dans ce pays. Ouais. Et moi-même, et non, vendredi, moi déplacé, vendredi, moi déplacé, et vendredi dernier, je me suis déplacé, m'aller. Alors, je vous dis, où t'as le fait que madame n'a content? Bon, quand même, vous connaissez, et un peu mal parlant. Et en plus mal parlant qu'a brancé sur les réseaux sociaux, qu'a brancé, qu'a fait l'obéi. Donc, nous trouvons nous important pour que nous allions, aller et ressourcer nous, aller enjoy nous à Punta Cana. Et je dis un grand merci à député Ogline Pierre, qui était recevoir et dans Santo Domingo. Ogline Pierre, qui était comme moun. Et mon cher, je ne vais pas me tout le monde dans le pays, et même le monde dans le pays, et qui comprend ce que les Haïtiens. Comme tout que la communauté et haïtienne qui a fonctionné en République dominicaine, mon cher chapeau pour vous, c'était bel accueil. Tout le monde passé, dans tout hôtel que je passé, dans tout hôtel que je passé, mon cher, c'était belle bagaille et en pile belle bagaille. C'était bel accueil chaleureux que moi-même avec et madame Nan et Kimberly te recevoir dans la République dominicaine. Pas bon menti, Angela était tellement atteint de son paroxysme. C'était gros bagaille, gros causé. Pas bon menti. Pas dim, madame Nan, qu'avez-vous retourné, non? Ah! Je ne pas bon menti, et ma situation est là, et je m'en est là, et tellement il y a tant de d'emmerdements dans ce pays, madame n'a pas ouais comment en d'un pays ça pour l'arrêter là-dedans, parce que il y a trop d'emmerdements, il y a trop de l'obéille dans ce pays, et il n'y a pas de monde qui manque de comprendre ces bagailles, il n'y a pas capable d'arriver et différencier Tijon avec Esaü César, Tijon qui c'est personnage ça nous connaît, qui est toujours là dans ma télé chaque mardi. Et même si j'en ça, toujours fait des révélations. Et de fait, révélations ça, ils ont arrivé. C'est le cas de ces journalistes que si j'en dédié, des journalistes qui prennent mourir en un pays. Mais, eh bien, après l'émission ça, il faut nous dire que il y a deux journalistes qui déjà mouru après dernière émission ça. Même gagne une chanson là-dedans. Ça que mon commissariat dès matin toi c'est jeune garçon. Et voilà. Donc est-ce que tu gagne une quelconque relation avec la mort ou bien connexion la mort, connexion gang, connexion monde qui a tué monde dans le pays? Est-ce que Esaü César gagne une connexion quelconque ou même pas connaît? Mais en fait est clair c'est que général qui a passé dans le pays. Ça, nous ne pas comprendre, c'est que le vaudou a un rôle important dans le pays. Les Guinées, ils ont représenté ça, ils représenté. Pendant notre parole là, il y a plusieurs lacs, nous-mêmes, nous arrivons, nous toujours, ce travail, nous, j'en de faire. Il y a plusieurs responsables lacs qui vexés, il y a plusieurs ougamambos qui vexés par rapport avec le dernier déroulement. L'obéi ça, sous base que Esaü César, comme journaliste, sami Éric Jean-Baptiste, moi-même avec Henri Guerrier, qui était et prend disposition, ensemble avec Éric Jean-Baptiste, regrettez mémoire, qui c'est Moun Bolaka et moi, Éric habite plus haut moi habite plus bas. Puis donc, Éric Jean-Baptiste, c'est une des monde qui, moi-même avec Henri Guerrier, n'a déjà l'eau. Nous, t'es politique avec Éric Jean-Baptiste. Nous, toujours, fait politique avec Éric Jean-Baptiste. D'ailleurs, Éric Jean-Baptiste embarqué dans Mirande Maniga comme candidat à la présidence en face Michel Martelly. On se le rappelle, dans Radio Signal FM, nous avons travaillé dans Radio Signal FM. Moi-même, nous avons pris position pour Mme Maniga, ensemble avec l'équipe là, qui était là dans Henri Guerrier, qui était là dans Nadel Viello. Qui est-ce qu'il y a de nous parquer tout le monde qui était embarqué avec Mme Maniga? Mais non, Éric Jean-Baptiste, pas parce qu'il était élevé, voilà quand même, nous levé ensemble, et à peine Éric capable bien un an plus moins,
Donc ça veut dire que Eric Jean-Baptiste papa Gutenberg t'es habité puis au lacay tout près couler de couplage, moi m'habite puis bah m'en dans le marché. Donc ça veut dire que m'vin pas comprendre lien y a pas c'est établi entre Esaü qui t'a fait une annonce. Alors quand petit Jean qui t'a fait une annonce et parce que c'est petit Jean ça, c'est notre tête Esaü c'est allé danser. Maintenant pour la vingon on paquette bagay qu'a fait sous base que est-ce que c'est pas Esaü César? Est-ce que Esaü a des informations? Et pour la vérité, pour l'histoire et pour la vérité, deux mouns que si j'en t'ai cité, dans le cas de révélation ça, à savoir Éric Jean-Baptiste avec Jean-Édouard Bosson, qui est toujours là, Jean-Édouard Bosson, Terelem, non, à souhait, ni Terelem, parce que nous habitons à parler. Jean-Édouard Bosson m'a appelé ce jour une révélation de Tijan pour me dire Esaü ou habite par la même pour qu'ils soient pas bien les mots dit ça va se faire craser famille ma pression famille ceci famille cela pour qu'ils me la gueule comme ça me dit monsieur Edouard Bosson moi qu'on parle à vos certes mais c'est pas Esaü qui t'a parlé c'était loi Tijan qui dansait dans tête moyen c'est loi Tijan qui t'a parlé ouais Esaü ça n'a rien à voir. Il n'a rien à voir avec la déclaration de Tijan. Edouard Bosson, t'es long. Edouard Bosson m'a appelé. Edouard Bosson m'a appelé le jour de sa révélation parce que nous habitons à parler. Edouard Bosson, c'est mon habitué à parler avec. Edouard Bosson, c'est mon habitué à fonctionner avec. Edouard Bosson, c'est Zamim. Ou un moment dit, oh, il n'est qui n'a bourgeoisie, dans le secteur privé, pas Zamim. Moi-même, je dis que Edouard Bosson, comme amis, nous habitons faire, nous habitons parler ensemble, nous habitons dans le bureau, monsieur, nous lire les téléphones, nous habitons parler. Moi-même, fâché, tout rouge, parce que lui déclarait que, et moi, pas de droit, al di bagala, dans la radio, il me dit, c'est pas moi-même qui dit, c'est petit jeune de la gueule. Il dit, à qui bagala de petit jeune par là? Il te nie. Très bien. Et l'on vous sentez nié sous base que, c'est à Esaü, c'est ça que tu fais révélation. Moi, je suis mordicus. Et, dernière fois, je parle à Edouard Bosson, c'est dernièrement le 2 novembre. Pendant que tu es à l'étranger, moi, je l'ai lu. Et il me dit, comment il dit à Esaü, je ne vais pas bien avant tout. Et puis, je dis, je ne vais pas bien avant. Parce que, moi, je suis un peu de révélation, et je arrive à bout. Je dis, en tout cas. Et puis, vous n'avez pas. Si j'en ai deux des mondes, par exemple, en Herbeliser, avant que y ait vu les balles sur Herbeliser, même si j'en ai dit que, en Herbeliser, ok, y a tiré sur vous, ou a pris une balle, Magali Habitant, Esaü César, et parlez bien de Tijan, Tijan t'a déclaré, même Bagayo, que Magali Habitant, ok, gon complot qu'a fait contre lui. Et après, ça qui arrive, Magali Habitant, prend Bois-Calais. Magali Habitant, courir pour Bois-Calais. Donc, même si j'en sais, c'est déclaré que des journalistes vont mourir, et de fait, il y a deux journalistes dans le pays là, on dit, et trois journalistes qui sont morts dans le pays là. Ok. Et, dernier si j'en passe, avant que. Dernier si j'en. Ok. Il t'a dit trois journalistes ont mouru. Et de fait, trois journalistes mourir dans l'espace après si j'en sais. Donc, t'as dit si j'en sais, qui habite le travail pour le monde, ici ou à l'étranger, même si j'en sais, Lila, il est toujours là, et là, pour nous danser, notre tête choual là, qui est là, et elle a toujours participé dans l'émission Matin Débat, ouais. Ok, jusqu'à ce que Patrick Joseph t'a décidé pour que tu gens ça, à toute tabourineur, à toute la place lui. Et c'est le cas de dire. C'est pas celle loup qu'on joue la place. C'est pas celle loup qu'on joue la place. On invite loup, même pas un bouquet d'arrivée loup. Mais pour qui ça a invité Louko, je ne sais pas si je suis vexé. Je suis nerveux parce que je vois que monsieur, notre gouvernement, le commissaire gouvernement, avec DCPJ, il a anticipé ce bail, il a invité Louko. Je ne sais pas si ça a nerveux parce que
Louk Odezi, on va pour ça obligé Louk inviter Louk Odezi. Parce que Louk Odezi c'est la place, c'est lui qui joue la place qui a interprété sa loi dit. Même si j'étais interprété ça loi dit dernièrement là, les journalistes, les petits gens qui dit que ah, des journalistes, trois journalistes à mourir. Nous avons nous passer si je ça pour moi, ce matin. Nous avons pas nous là. Comme monsieur qui n'a pas été pour prendre nous révoquer pour nous, nous allons repasser pour que si je savais dit. Si je savais dit que j'ai trois journalistes à mourir. Et de fait, après tout ça, j'ai trois journalistes à mourir. Nous tout vérifier. Non. Non, mais monsieur, c'est invité les Haïtiens encore. Comme c'est notre jol, les Haïtiens, César, si je t'ai pris à noter. Si je t'ai parlé, si je t'ai fait l'obéir. Je dis à l'ambral regarder, est-ce que ce même commissaire du gouvernement va pouvoir inviter Esaïe César, non pas Tijan. Je ne sais pas comment il va faire pour inviter soit Tijan, alors et loi Tijan, loi Sahar, qui a fait des révélations un peu plus pertinentes dans ce pays. Mais non, comme je dois vous le dire, Pierre Matéta, je suis serein, très serein, très calme, pour être capable de continuer à faire travail, moi, comme ça doit, le travail du journaliste et le travail comme vaudouisant, patenté, comme vaudouisant, qui courait dans le bagage, guinéo, grâce avec eux, avec tout ça, me parle, et bien, nous continuons à faire travail, nous, quand on t'a tout, faut que nous, mon nani pourrait saluer nous, mais entre temps, n'a fait qu'on est que, et bon paquet de côté, pour le ministère de la Transport et Communication, et t'as obligé de faire un passe-main dans la zone Mergé, Mariani, où t'es pas bon, même des matins d'août, où t'es pas bon, même, a dit pour mon sorti, en bas, pour sortir, et dans la zone Cafou, pour aller dans le Grand Sud, c'est difficulté, on ne peut plus. À côté de l'insécurité, ce matin, m'a pas menti, situation vraiment difficile pour Mounio, côté Moun pas capable, machine à craser, à côté de gaz qui a crasé machine Mounio. Ouais. Et par rapport à voilà, là, c'est un problème gaz me tombé là. Et m'a continué à dénoncer ces pétroliers, Mounza qui implique une question de gaz dans le pays, là, qui, d'une manière ou d'une autre, mettait sous côté et l'annonce de prix de carburant que le gouvernement a annoncé. À savoir, pour gaz d'avant, 514 gouttes. Je dis à la, monsieur qui n'a pas pétrole, monsieur qui n'a pas pétrole, monsieur Gazio, qui j'ai fait, il mettait 1 500 000 dollars américains à terre, bah, il pour danser à la, payer bonne à la, faire l'obéir, bah, n'est politique, eh bien, je dis à la, ou qu'on a ouvert la bâche de Gaza à 600-700 dollars, eh bien, et faut gaz en acheter. Donc, c'est ça qui me passe, je dis à la, qui fait que, par exemple, par la voilà là, je ne peux pas garder Port-au-Prince. Parce que je suis bloqué dans la petite rivière de Nip. Je suis sorti petit trou de Nip. Je suis bloqué dans la petite rivière de Nip. Ah, où t'as une habitation? Ah, bien matin, nous connaissons, nous toujours, nous nous avions. Et vous dites, où c'est avec Nip? Donc, où sorti? Alors, madame, là, mon Nip. Madame, là, mon Nip. Ah, madame, là, mon Nip. Bon, voilà, je suis un privé. Ah bon? Ok, donc ça veut dire que bien matin.